Bonjour, je suis Rosalie Brown. Bienvenue à l'entraînement spécial abdominaux PT. Aucun équipement n'est requis. Alors, on se penche vers l'arrière, on active les abdominaux et on commence en tapant légèrement les talons. Beau travail! Alors, en se penchant vers l'arrière, on active les muscles tout de suite. Alors, on tape 4, 3. Maintenant, on amène une jambe, on la relâche. Gardez le poids bien réparti sur vos fessiers. 4, 3, 2. Et maintenant, on ajoute le mouvement du haut du corps. 6, 5, encore 4, 3, 2, et on revient, on tape. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et maintenant l'autre jambe. On ramène, on allonge. Gardez le poids réparti sur vos fessiers. 4. 3, 2, et on ajoute le haut du corps, un mouvement bien ample. 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, encore un. Bravo! Et on revient, les pieds bien à plat. Maintenant, un relevé du buste complet. 4, 3, 2, et on relève. 3, 2, et on revient. Lorsqu'on fait un relevé du buste, on tente de détendre les épaules et de ne pas forcer avec les épaules. Faites attention ici. Un mouvement en douceur. Si vous trouvez que c'est facile, ramenez les talons plus près du corps. Si vous voulez un peu solliciter davantage les muscles, ramenez les pieds près du corps et gardez le contact à plat avec les pieds. Alors, ce qu'on veut faire, c'est effectuer ces exercices tout en sollicitant les muscles. Lorsque je fais de l'exercice et que je ne sens pas que je fais de l'exercice, ça ne l'est pas. Alors, encore un. On descend et on remonte. Et on descend et maintenant, on va faire des crunchs. Maintenant, lorsque vous faites ce mouvement, le moins vous utilisez d'élan, le plus c'est efficace. Alors, voyez comment je pose, je tiens au haut avec chaque relevé. On tient, on abaisse, on tient, on abaisse. Bravo, 4, 3, 2, 1, on reste ici, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on continue à taper et on ajoute les crunchs. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on reste, on maintient pour 8, 5, 4, 3, 2, et on ramène et on rallonge. Alors, flexion, extension. Encore 4, 3, 2. On allonge une jambe et on en garde une en mouvement. 2. Et on croise sur cette jambe. 7, 6, 5. Encore 4, 3, 2, et on change de jambe. Au centre, 3, 2, 1, on croise. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier, maintenant, on fait de la bicyclette. Croise, on croise, on croise. Très bien. Contrôlez les jambes, un mouvement en douceur.
Continuez. Très bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, les deux jambes, on les ramène, on les allonge vers le plafond et on les abaisse doucement. On fait ça en 4. 3, 2, 3, 2, 1. Et on ramène. 4, 3, 2. Et encore deux fois. 3, 2. Et hop. Bravo. Encore une fois. Maintenant, plie les genoux. Et les crunch. Crunch. 3, 2, 1. Et on maintient. On allonge les bras. Et là, un relevé complet. Maintenant, ça devrait être beaucoup plus difficile que lorsqu'on a commencé. C'est votre test. Si vous ne sentez pas que vous sollicitez davantage vos muscles, vous devez aller plus loin encore et en faire davantage. Allez, on revient vers le... Et on ramène. On allonge le corps. On s'étire. 4, 3, 2. Roulez sur les abdominaux et soulevez avec les coudes pour bien étirer la paroi abdominale. 4, 3, 2, et revenez, étirez-vous, allongez les bras, doucement, on revient. Quelques exercices abdominaux tous les jours comptent. La constance, c'est la clé du succès.